Il est 3h20 du matin. Ma mère et moi, on entend chanter dans les toilettes. Donc je vais essayer d'y retourner. J'enlève mes chaussons. Parle trop court, voilà. Maman, t'as entendu chanter comme moi? Oui. C'est ouf. Ah oui. Ah, ça dresse le poil, hein. Ça dresse le poil dans le dos. C'est chelou. Ouais. Ça m'a fait flipper. On va essayer de trouver le sommeil après ça. Ça va être compliqué. Ah, maman. Ça n'a pas été facile à emmagasiner dans sa tête, du coup. Pourtant, il est en forme pour me faire peur que je fais des enquêtes et tout, mais là. Je vous explique. On se retrouve chez moi. On a été victime, enfin, ma fille a été victime de ce qu'on appelle le doppelganger. Donc, pour vous expliquer ce que c'est un terme issu du folklore germanique qui désigne du coup une entité, fantôme, créature, qui vivrait dans notre corps et qui se dédoublerait, en fait, qui sortirait de notre corps pour avertir d'un danger ou d'une mort imminente. Ma fille m'a aperçue, a aperçu mon double voilà, dans la cuisine, alors que j'étais dans la chambre. Elle a été clairement traumatisée par ce qui lui est arrivé. Ça va être une théorie. Du coup, elle va l'exposer, je te laisse dire. Alors pour moi, il y a deux solutions. Si ça a un rapport avec l'enquête qu'on va faire, une entité démoniaque a été invitée à entrer dans une maison par le biais d'une Ouija, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, parce que ça n'amène que le mal. Ça, on l'expliquera. Soit cette entité s'est servie de Dodi et de son apparence dans la cuisine pour faire peur à sa fille, et ça afin qu'on ne fasse pas l'enquête, tout simplement. Donc, est-ce que ça n'a pas été fait tout simplement pour qu'on débute cette enquête dans de mauvaises conditions mentales? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Quoi qu'il en soit, si on fait cette enquête, on sera prêt, on sera à 100% et il n'y aura pas de souci pour nous. Je n'utiliserai jamais mon enfant à titre de mensonge ou juste pour avoir des vues. On le dit et on le répète assez, nos vidéos sont réalisées sans trucage. On amène des réponses sur le paranormal parce que voilà, on a tous été touchés à un moment donné par le paranormal dans notre vie. C'est les choses avec lesquelles on ne rigole pas. On essaie de ne pas rentrer dans les détails et de garder une forme d'intimité dans notre vie. Mais quand il y a un impact, il y a un impact. Et je ne voudrais pas que cette vidéo anime la méchanceté gratuite des gens qui seraient dans l'intention de faire mal à l'équipe ou à moi-même. Donc voilà, je voulais le préciser. Donc on compte sur votre respect pour la famille, ça c'est très important. On commencera dans le cadre d'une interview de jour sur la personne. On va peser le pour et le contre des conséquences ou du danger. Auquel on s'expose tous finalement, chacun d'entre nous. Donc, dans tous les cas, si on décide de faire cette enquête, on sera préparé et motivé. On ira et on fera le nécessaire pour cette personne qui est aussi mère de famille et qui vit avec des enfants terrorisés. Donc, Catherine me disait qu'hier soir, c'était dans sa chambre. Ils faisaient, tu sais, leur TikTok là. Ouais. Et à un moment donné, tu sais, il faisait juste des grimaces, donc elle m'a dit, t'avais pas du tout de bruit. Et dans son téléphone, t'as un truc qui a fait, ah, comme ça. Ah, oh, ça devient urgent là, la pauvre. Ça fait mal au cœur. Elle arrive à dormir la nuit là? Oh, bah, pas trop, hein. Tu sais, elle s'endort seulement sur le matin, elle. Hein. Ouais, quand il fait jour, à partir de 4 h, un truc comme ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment pas montrer qu'on a peur. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est normal. Mal utilisée, elle peut être vraiment dangereuse, quoi. La communication établie, ça va être moi. Donc, je prends cette responsabilité. Je suis persuadée que le fait que tu sois triste et sensibilisée, ça fragilise la ça. Personne qui va utiliser. Et on ne se lancera pas dans quelque chose dans lequel on n'est pas préparé.
Mais comment tout ça va se dérouler? Alors là, je ne sais pas. Surtout avec un objet que j'ai toujours dit qu'on n'utilisera jamais. La tablette de Ouija, c'est... Non. Alors ça, rien que le mot, il fait flipper. Genre, mon niveau de stress, il va être... Mais plus au-dessus de ma tête, là. J'aimerais pas être à sa place. Moi, si je serais dans son cas, j'aimerais bien avoir des gens comme nous ou comme d'autres équipes qui viennent chez moi, en fait. Ça apporte du soutien et du réconfort et de l'espoir que ça ne revienne plus, quoi. Ce sera le moment vraiment d'être soudés, quoi. D'être unis et soudés et puis bah, de coopérer ensemble, vraiment être en fusion totale de s'écouter tous, quoi. Écoute, je me suis toujours dit que je n'en ferai jamais dans ma vie, mais si c'est quelqu'un qui connaît et vraiment qui sait gérer ça, quelque part ça ne me dérange pas. Catherine, elle m'a rappelé tout à l'heure, hier soir, elle a son lecteur DVD qui s'est allumé tout seul, surtout dans sa chambre. Hein. C'est vraiment oppressant, comme je te dis, hein, tu regardes ces escaliers, c'est comme si on t'appelait. La chambre, c'est vraiment le point central, c'est l'épicentre. Je pense que c'est l'épicentre et puis l'atmosphère qu'on a dans la chambre n'est pas identique à celle des autres. C'est lourd. Les escaliers t'appellent, ça c'est sûr. Ouais. Quand tu es au rez-de-chaussée, les escaliers, ils te demandent une chose, c'est que tu les regardes. Pourquoi, on ne sait pas. Ça attire l'œil. J'ai monté une marche, j'ai dit à Catherine, là par contre, non, faut pas que je monte. Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est malsain, enfin, c'est ça quoi. C'est malsain, c'est pesant, c'est super pesant. Comme si on te dit, bah rentre pas, je suis ici, je suis chez moi, et voilà, tu seras mal à l'aise, quoi que tu feras, tu seras mal à l'aise. Je suis montée 5-10 minutes dans sa chambre, enfin tu vas t'écrouler quoi, tu vas t'évanouir carrément. Une bonne quinzaine de jours, là, ça s'empirait le jour où ça s'empire, ouais, je pense. Ouais. Je pense que s'il y a quelque chose là-bas, il doit sentir que ça va bouger. Il va y avoir des gens qui vont venir ou ils vont être embêtés, chahutés ou peut-être dérangés, quoi. Bah, comme tu viens de le dire, c'est une première. La planche Ouija, c'est pas mon truc, comme je pense la plupart des enquêteurs. Non, j'en ai pas peur, parce que de toute façon, les bêtises, elles ont déjà été faites. Et rien que le fait de rentrer dans cette maison, c'est comme si on avait joué avec la planche. Donc non, je n'ai pas peur. La question qu'on aurait pu me poser, c'est est-ce que tu as peur de rentrer dans la maison? Je vais dire non. J'ai envie de... comme tout le monde, d'être confronté à ce genre de choses pour pouvoir le prouver aux gens, pour pouvoir montrer que ça existe. Et là, en l'occurrence, montrer que ça existe tout en aidant une personne qui, visiblement, a besoin d'aide. Et constater tout ça et essayer de refermer la porte, du coup, avec la planche Ouija. Moi, je sais pas... Évidemment qu'on prend des risques quand on fait ça. On pourrait tomber sur des choses malfaisantes à n'importe quel endroit où on va. Voilà, on sait que visiblement que c'est malfaisant. Bon, bah, on y va, on est conscient et moi, je fonce. Allez, force à nous.
bonne route. On va la route. On va la route. C'est parti. C'est bon. On se présente du coup par l'intermédiaire de Delphine. Tu as fait connaissance avec nous. Donc on est l'équipe Whisperus. On intervient dans des lieux dits hantés. Là c'est une première pour nous. On intervient du coup chez vous particulier. On va pouvoir prononcer ton prénom Catherine. On préservera l'anonymat des enfants. Donc on dira ta fille et ton fils. On est formés depuis maintenant bientôt 2 ans. On fait ce qu'on appelle des diagnostics sur les lieux. On prend des preuves audio et visuelles de tout ce qui ressemble à du paranormal, tout ce qui n'est pas expliqué. On a cette partie quand même des mystifications. On essaye d'être rationnel du coup sur ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et puis du coup, on diffuse ça sur une chaîne YouTube appelée DMFS Whisperus. C'est une première pour nous d'intervenir chez un particulier. Ça nous fait aussi également plaisir de passer un cap pour l'équipe, parce que voilà, on vient en aide à des personnes qui en ont besoin et qui sont au jour d'aujourd'hui très peu informées sur les possibilités d'aide qu'il y a pour les personnes qui sont infestées, comme on dit infestées, le terme infesté, c'est donc la présence de pseudo-entités démoniaques. Donc voilà pour la présentation de l'équipe. Donc je te laisse te présenter, Catherine. Voilà. Je suis Catherine. Tu es Catherine, d'accord. Tu as quel âge, Catherine ? 46 ans. Je suis catholique mais non pratiquante. D'accord, très bien. Très, très croyante. Ouais. Jusqu'au jour où il y a eu un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et à partir de ce moment-là, j'ai plutôt renié, justement. Alors, j'ai été baptisée, mais alors moi, je leur laisse le choix. Il y a des phénomènes chez toi dits surnaturels, voilà, des choses inexpliquées qui se produisent. Est-ce que tu as déjà vécu des expériences surnaturelles dans ton enfance ? Ça veut dire avant tout ce qui s'est passé ici, est-ce que toi tu as le souvenir d'avoir été, on va dire, interpellé par quelque chose que tu n'as pas trouvé normal mais que tu n'arrivais peut-être pas à expliquer J'ai pas de souvenir, non. Non, rien qui t'ait marqué. On est face à ta fille qui est, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai pas envie que tu portes ça comme une charge, responsable de peut-être les manifestations paranormales qui se passent ici. Tu as fait une expérience qu'on appelle séance de Ouija il y a quelques années. Oui. Oui. Il y a combien de temps exactement ? J'étais en primaire, donc je dirais 8 ans à peu près. 8-9 ans ? 8-9 ans. À peu près ? Tu étais toute seule ? Non, j'étais accompagnée d'une amie. D'accord, tu étais donc avec ta copine ici, c'est ça. Là où on se retrouve aujourd'hui. Cette planche aujourd'hui, elle n'existe plus ? Je ne l'ai même pas fait sur une planche en fait. Ouais. On l'a dessinée parce qu'on n'en avait pas sous la main, donc on en a fait une, entre guillemets. D'accord, vous l'avez fabriquée avec ta copine sur place ? Oui. Et après, vous avez commencé une séance de spiritisme. C'est ça. J'aurais voulu savoir dans quel contexte vous l'avez commencé, c'est-à-dire est-ce qu'il faisait nuit, est-ce qu'il faisait jour ? Il faisait nuit. D'accord. Tu te rappelles à peu près l'heure qu'il était ? Il était minuit. D'accord, très bien. Lorsque tu as commencé cette expérience de Ouija, est-ce que tu t'es arrêté sur ce qu'on appelle les rituels de commencement que tu as pu lire dans les bouquins Pas du tout. En fait, on a fait ça sans... Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'on a fait ça sans même se renseigner en fait. On a regardé quelques vidéos qui expliquaient comment faire, mais pas forcément bien expliquées. Et on l'a fait, on n'a pas dit au revoir, on n'a rien fait de tout ça, malheureusement. On a pris ça pour un jeu en fait. C'est un jeu pour nous. Donc du coup, on a agi comme tel. Alors de base, tu n'es pas la seule victime de cet objet, ça il faut le savoir. Effectivement, de base, la Ouija est considérée comme un jeu de société. Voilà, ça a été racheté, c'est un brevet qui a été racheté par Parker. Donc c'est une marque et usine de jouets très connue. Sauf que cette tablette de Ouija a quand même une histoire derrière. Elle ne s'est pas juste fabriquée avec des lettres de l'alphabet, des chiffres arabes.
Elle a été tirée de certaines tablettes grecques et chinoises à l'époque, qui avaient des lettres et des symboles, et avec lesquels on communiquait, et on essayait d'avoir un retour occulte, des réponses de l'au-delà. Et ensuite, ça a été transformé en cette fameuse tablette, et du coup, ça a été commercialisé. On connaît les risques, surtout encourus, on est très renseigné sur le sujet. On ne l'a jamais pratiqué, je n'ai jamais pratiqué même moi-même de séance de spiritisme. Le problème qui se pose, c'est que, étant donné que c'est vendu comme un jeu de société et qu'au jour d'aujourd'hui, les tendances sont beaucoup à se faire peur, les films d'horreur reviennent énormément à la mode, je trouve que c'était vraiment le moment d'en parler et du coup de traiter le sujet. Le malin profite, pour sortir de ce portail. C'est perçu pour une entité démoniaque comme une invitation. Ça veut dire qu'on ouvre un portail, on ouvre une fragilité du coup qui les nourrit, ils prennent en puissance et du coup, pour éviter de refermer ce portail, la chose que les personnes ne font pas, et c'est ça le problème, c'est que le portail n'est pas refermé parce qu'en fait, il va y avoir à ce moment-là des manifestations qui sont provoquées par les démons afin de vous faire peur et de stopper tout net sans rituel de fermeture. Ça permet pour eux d'avoir ce portail ouvert, d'aller et venir et de pouvoir se sentir chez eux. Une entité qui se sent chez elle, qui a l'impression d'avoir été invitée, elle va se nourrir et elle va faire comme si elle était chez elle et que vous, vous n'étiez plus, tout simplement. Elle est invitée, elle s'est installée et vous, vous êtes les intrus qui les gênent ou alors les pions avec lesquels s'amuser. Bah, en fait, j'étais avec des amis, en plus c'était en pleine journée, on avait fermé les volets, enfin, etc. On était allé chez lui, on faisait le mur le midi. Et donc, il y avait une table chez lui, donc on s'est tous mis autour. Il y avait un buffet derrière. Et puis évidemment, comme d'habitude, il y en avait qui n'étaient pas... Moi j'ai toujours cru à ça. Il y en a qui n'étaient pas, voilà, qui rigolaient. Et puis, donc, il y en a un qui a appelé, qui a fait des incantations. Et celui qui rigolait le plus, il y a une paire de ciseaux qui s'est plantée derrière lui dans le mur. Donc, on a tout rouvert, voilà, on n'a plus jamais reparlé. Ah, mais moi, j'ai pas rigolé. C'est ça. Loin, ouais. Voilà, moi, je. Voilà. C'est-à-dire que là, on a quand même eu affaire à ce qu'on appelle un poltergeist. Ça veut dire que là, le démon s'est énervé. Et ça, il n'y a personne. Voilà, il n'a plus rigolé du tout après. Hein, là, tu pourras remarquer que du coup, le démon qui a réussi à rentrer par l'intermédiaire de l'invocation, tu as parlé clairement d'invocation et de moquerie, il faut savoir qu'un démon a horreur, qu'on le défie, qu'on se moque. Il y a une forme de. C'est triste à dire, mais c'est vrai, il y a une forme de respect à installer. Lors d'une séance, nous, on va faire ça, on connaît ce rituel d'ouverture, on connaît ce rituel de fermeture, et on connaît les propos à dire et à ne pas dire pour ne pas froisser l'entité démoniaque. Ils sont très susceptibles. Au moment où la personne se moque, il lui manque volontairement de respect à ce moment-là, à une paire de ciseaux qui le frôle, mais si elle avait vraiment voulu, si ça avait vraiment atterri sur lui, ça aurait pu, à partir du moment où il y a une force qui arrive à projeter comme un avertissement. Il a été averti, et le problème, c'est que vous avez arrêté tout de suite, tout le monde ouvre, personne ne ferme. Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose, parce que ma vie a été une succession de merde à peu près, enfin je dirais pas à ce moment-là, mais... Même si ce n'était pas toi, en fait, ça a été perçu comme un manque de respect général. Dans tous les cas, la porte a été ouverte par l'intermédiaire de vous tous. Quand on a fait ça, je devais avoir 14 ans. Quoi. Et à partir de ce moment-là, mais c'est vrai que ça n'a pas été... Ça n'a pas été tout rose. Non. Ça peut effectivement, en fait, comme Michael disait, le fait d'être présent. Le fait d'être présent, le fait d'invoquer ensemble. Voilà, l'entité se nourrit de toutes les énergies présentes. Et va effectivement peut-être aussi s'accrocher à une personne qui est beaucoup plus sensible dans le lot, qui est beaucoup plus croyante, parce qu'à ce moment-là, elle pourra forcément vous isoler et pénétrer plus les émotions. Voilà. Si une personne est fermée au paranormal, elle peut avoir des choses, mais elle va rationaliser et elle va se dire « Bon, bah, si je suis malade, c'est parce que j'ai pas mis mon manteau. Si je suis tombée, c'est parce que j'ai pas fait attention. » Par contre, une personne qui est sensible et ouverte aux successions de problèmes qu'il peut y avoir après ce type d'invocation, va s'arrêter justement sur les émotions et se dire, si je suis tombée, c'est peut-être, voilà, ça c'est ma faute, elle va s'accabler.
Elle va se dire, si je n'avais pas fait cette séance, peut-être qu'il ne serait pas arrivé ça. Mais ça va être une succession où le malin s'accroche et dit, bah oui, effectivement, on va la persuader de ça, on va la persuader de ça, et elle va être mal. Hein, ça peut vraiment... pas, d'une personne à une autre, ça peut être vraiment très, très, très différent. Alors après, est-ce que ça peut avoir un rapport? Je ne peux pas te dire aujourd'hui, c'est sûr à 100%. Mais c'est quand même une séance de spiritisme qui a mal tourné. Ouais. Hein. Alors peut-être que les personnes qui étaient avec toi ce jour-là ont subi des choses dans leur vie, mais qui n'ont pas eu cette conscience et se dire peut-être que c'est un rapport avec ce qui s'est passé. En soi, t'en sais rien en plus. Voilà, parce que tu les as perdus. Oui, je les ai perdus. Quand on est jeune, on est con. Mais, alors c'est pas curieux, qu'on est curieux, on a cette forme de... On a une poussée hormonale à l'adolescence et qui provoque des montées d'adrénaline. Et les montées d'adrénaline, on les... En se faisant peur. Voilà, on adore se faire peur. C'est un jeu, on adore monter. C'est... En fait, le paranormal ou se faire peur, c'est naturel. C'est comme monter dans un manège ascensionnel. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça dans le paranormal où les gens sont susceptibles d'être accrochés. C'est pas la seule façon de se faire accrocher par une entité, ça, il faut le savoir. Tu as un fils qui est âgé de 9 ans. Mmh. Voilà. Et donc le petit, ton petit, voit des choses et entend des choses. Alors ça a commencé, il était jeune, en fait j'ai perdu un enfant, qui était sa petite sœur, enfin leur petite sœur, tous les deux. Et dès l'âge de enfin ça a commencé à 2 ans et demi. Donc, ça a commencé très bien. Et il se réveillait la nuit en pleurant, disant que sa sœur était dans un coin de la chambre. Et qu'elle l'empêchait de dormir. Et puis après, il a eu aussi des comportements très bizarres la nuit, que je prenais pour du somnambulisme. Mais en fait, il était super violent. En fait, il se réveillait en pleurant, donc moi je vais pour le consoler. Et à ce moment-là, bah, il s'énervait. En fait, ils sont des gros mots, je ne sais pas si je peux les dire. Oui. Salope, pute, casse-toi. Mais vraiment, mes crises de nerfs, mais je... Enfin, moi, il me faisait limite peur, quoi. Parce qu'il y a des moments où même je fermais la porte, et je disais, mais c'est pas possible, où je me mettais à pleurer, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas mon fils, quoi. Donc, t'as ressenti vraiment quelque chose de différent. Il avait quel regard à ce moment-là? Mais son regard, il était vide, il n'y avait pas d'émotion, comme s'il n'y avait pas d'âme, en fait, à l'intérieur. Comme si qu'il y avait des tapes. C'est pour ça que je pensais, et en plus, quand il se réveillait le matin et que je lui en parlais, il s'en rappelait plus. Donc je me suis dit, c'est des crises de somnambulisme, mais très violentes, quoi. Et au fil du temps, c'est vrai qu'on se pose quand même la question, parce que c'est vrai que c'était... et ça s'est répété, mais il en faisait régulièrement. Ça a duré longtemps, en plus. Ça a duré il y a eu une période, longtemps. Du coup, ouais. Ça s'est étalé sur quelle période, à peu près? En fait, c'était vraiment périodique. Il était apaisé à certaines périodes, pendant quelques plus, mois. C'était plus... Et après, d'un coup, il se mettait à faire des crises. Et pourtant, son tempérament habituel... Il est plutôt, justement, très sensible, très... c'est ça qui est très étrange. Et c'est que se mettre dans des colères comme ça, alors, il le fait moins... Alors, ça lui arrive encore un peu, mais beaucoup moins terrible qu'il y a une époque. Et une époque, jusqu'à me taper, et vraiment aussi me faire peur. Mais il y a aussi... Je me disais, puis d'ailleurs, il se mettait comme ça, il me disait, je te fais peur. Hein. Il sera important pour moi, après cette interview, après ce passage, de m'entretenir avec ton fils. J'aimerais le voir. Pareil, il ne sera pas filmé, puisque voilà, il n'y a pas d'intérêt de montrer, c'est un enfant, donc je ne vais pas le montrer. Il sera seulement entendu, et je le préserverai, pareil comme vous, son anonymat. Et j'ai besoin de lui poser des questions clés que peut-être il n'a pas envie, ou alors il ne ressent pas le besoin de dire aux personnes qui l'entourent, pour éviter de les effrayer, puisqu'il sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut faire peur. Je suis interpellée, en fait, par ce petit, parce que là, tout à l'heure, tu as soulevé un sujet important, c'est que voilà, vous avez été victime de la perte d'un enfant dans votre famille, d'un bébé, d'une petite fille. Elle est décédée à 6 mois de grossesse, et le problème, c'est que si j'écoute bien, si j'entends bien le témoignage, le petit a la manifestation d'un enfant, une petite fille qui dit comme étant sa petite sœur, sauf qu'elle ne peut pas parler à 6 mois de grossesse décédée. Nous, dans les croyances, dans tout ce qui est au jour d'aujourd'hui établi par le paranormal, une personne qui décède, si elle doit revenir en forme d'entité, elle reviendra sous la forme qu'elle est partie. En l'état. En l'état. Ah oui. Voilà.
Ça fait des années qu'on est obligé le soir, ma mère ou moi, de rester avec lui. Sinon, il ne dort pas. Il ne dort pas. Moi, il vient me voir dans ma chambre. Il demande même, limite, il me supplierait de dormir avec moi. Qu'est-ce que t'appelles des années? Ça fait super longtemps. Hein. Depuis ces crises de somnambulisme ou autre chose, depuis ces moments-là, il demande à ce qu'on reste. C'est-à-dire deux ans et demi. C'est pour ça que je voudrais vraiment avoir son témoignage et lui poser les bonnes questions. Un bon film avec les enfants, ça devrait bien se passer. Et pour pas l'impressionner, on va pas être tous là. Mais par contre, je vais le recevoir dans sa chambre, enfermé avec lui. Donc voilà, si tu es d'accord, on fera rien si tu n'es pas d'accord et on diffusera rien si tu ne l'es pas. Parce que cette forme de violence. En pleine nuit. On connaît tous les terreurs nocturnes. Oui. Ça, c'est connu. Oui. Ça arrive à un certain calme de l'enfant. Ça arrive aussi même à des adultes, mais c'est beaucoup plus rare. Mais les terreurs nocturnes, on a peur de quelque chose, effectivement. On fuit un potentiel danger. Mais ça reste, quelque chose de normal, des effets psychologiques normaux de la nuit. Et du coup, on a plutôt tendance à fuir un danger que de rentrer dans cette phase d'agressivité. C'est beaucoup plus rare, tu vois, cette forme. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de m'entretenir avec lui et je voudrais savoir s'il vous dit tout. Ouais, voilà. Je pense pas. Il est très secret. En plus, c'est un gamin qui parle très très peu. Ouais. Qui est pas. Très... quand il a un problème, il faut vraiment lui tirer les verres du nez parce que c'est... Ah donc il intériorise beaucoup toutes les émotions. Sa douleur aussi, pour le décès de sa sœur. Alors il s'ouvre un peu plus maintenant, mais il... Bah, oui, non, il garde beaucoup en lui, quoi. Et je pense que c'est pour pas, justement, nous faire de la peine ou pour en rajouter. Est-ce que vous avez une question, l'équipe, en attendant? Ou pas? Est-ce qu'il y a une information qui est importante pour vous? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que Pascal a quand même fait quelques petites enquêtes avant. C'est pour ça qu'on est là aussi. Il a recensé pas mal de choses. Donc il a posé des caméras, ça on ne l'a pas dit, il a posé des caméras dans la chambre, une caméra dans les escaliers, pour voir s'il y a quelque chose pendant l'interview, ça c'est important. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais savoir si les personnes qui ont pratiqué la séance de spiritisme, donc toi et ta copine, maintenant on le sait, si vous aviez des connaissances sur les risques de cette pratique occulte dont tu as répondu tout à l'heure, tu as dit que tu avais regardé des vidéos vite fait. Oui, mais non, du coup, enfin... Oui et non, en fait j'ai envie de dire que c'était pour se faire peur. Donc on savait ce que les gens disaient sur les risques qu'il pouvait y avoir, mais en soi on n'y croyait pas tant que ça. C'était un jeu pour vous. Oui, c'était un jeu. Il y a cette sorte d'innocence à cet âge-là qui fait que on croit ce qu'on voit et du coup on essaie. J'ai une question. Est-ce que les choses. On m'avait dit non, donc je repose la question au cas où, mais est-ce que les choses paranormales peuvent se ressentir dans des rêves? Ou est-ce que ça concerne autre chose? Parce que quand je m'étais réveillée suite à un rêve, en fait, c'est là où je ne pouvais plus bouger, où j'arrivais plus à sortir de mon lit, j'arrivais même plus à parler, je voulais appeler ma maman. Donc tu fais des paralysies du sommeil. C'est quelque chose qui est identifié dans des anciennes peintures religieuses connues. Alors je ne vais pas citer le nom parce que je vais me tromper dans les termes, mais en tout cas, c'est identifié depuis le Moyen-Âge, ça existe depuis le Moyen-Âge. La paralysie du sommeil, pour certains, était effectivement la manifestation de démons de la nuit qui se manifestent lorsque l'enveloppe corporelle est reposée et que l'esprit est endormi. Alors c'est un sujet qui est très controversé parce que on a toujours cette partie scientifique dans tous les cas, même dans le paranormal. On a cette partie scientifique sur la pratique Ouija, on disait tout à l'heure, où certaines personnes, des adeptes, pensent communiquer avec l'au-delà. Et il y a la partie scientifique qui dit que c'est le phénomène idéomoteur, en fait. Que les réponses sont créées par le subconscient au niveau de la goutte et qu'elle oriente les réponses par rapport à ce que... on pense à l'intérieur, et ce serait nous-mêmes, finalement, qui donneraient les réponses. Et on a ce côté-là, pour la paralysie du sommeil, qui est dite, du Moyen-Âge, où effectivement, ce sont les démons de la nuit qui se manifestent, et on a le côté scientifique qui dit que c'est l'étape psychologique. On est entre le conscient et l'inconscient, dans un état de sommeil, qui n'est pas profond, et on a cette espèce de toxine qui se dégagerait dans le cerveau, qui nous met dans un état de transe et qui nous fait voir. Cette toxine nous provoque des hallucinations.
Voilà. Ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer au jour d'aujourd'hui, les scientifiques, et c'est là que c'est intéressant, c'est pourquoi les personnes qui sont victimes de paralysie du sommeil voient des choses dans leur... qui sont que type démoniaque. Il y a toujours une petite période de cauchemar qui précède la paralysie du sommeil. Ça veut dire qu'on va voir des choses, et d'un seul coup, tac, on va vouloir se réveiller, et il y a cette impossibilité de parler, de bouger, de crier, qui terrifie, et on se sent clairement, à ce moment-là, en danger. Et on sait très bien qu'il faut vite revenir. Là, ce côté scientifique-là, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à établir pourquoi, si on est victime d'hallucinations pendant la paralysie du sommeil, pourquoi on ne voit pas des licornes, on ne voit pas des petits bonhommes tout mignons. Et puis, on a peur. Voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui aujourd'hui traumatise énormément de monde. Hein. Tu nous as expliqué que tu avais fait la Ouija. Est-ce que tu as invoqué un démon en particulier ce jour-là? Est-ce que tu as appelé quelqu'un? Est-ce que tu as voulu parler avec quelqu'un? Non, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de personne décédée dans ma famille que je connaissais personnellement, donc non. Et après, du coup, j'ai fait les petites expériences avec Charlie, la Dame Blanche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Charlie, c'est un petit garçon, voilà, qui répond, une entité petit garçon qui répond aux questions par oui ou non. En fait, ça se présente sous forme de feuilles, avec deux crayons. Charlie, je ne sais pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'étais fan de ça. Il y a Baphomet aussi, dont j'ai beaucoup parlé. Il y en a plein, mais je me suis beaucoup renseignée. Mais non, mais parce que je me renseigne toute seule. Je ne sais plus, on en parlait avec une amie au téléphone, j'ai parlé de lycanthropie. Oui, mais ça m'a encore ça. Que ça me fascinait beaucoup. Et j'ai parlé de vendre mon âme. Je ne mets pas la suite à côté. Je ne mets pas la suite à côté. Je suis devenue blanche. Et continue, tu as vu quelque chose alors dans la chambre? Et je suis en fait montée parce que je devais aller chercher mon téléphone. Donc il était tard, on était la nuit. Et je monte. Donc je ne vais pas dire que je ne me sentais pas bien, enfin j'étais neutre quoi. Je monte, donc j'allume la lumière de la chambre de ma maman. Donc il y avait à savoir la lumière. Et ça a éclairé le couloir. Je prends mon téléphone, je me retourne, je vois ce truc-là, et pendant 5 minutes, je suis restée. Parce que forcément, quand on voit quelque chose qui vient pas de notre monde, entre guillemets, on... C'était tétanisé. Ah ouais, je ne voulais plus. Alors, il ressemble à quoi? C'était une tête de bouc avec des cornes. Il n'a rien dit, rien fait donc... Non, il est juste resté là, et puis il est reparti. Il est vraiment resté, allez, 4 secondes à tout casser, mais c'est moi, sur le coup, je suis descendue en courant, j'ai dormi en bas. Et ça, c'était tout de suite après que tu lui as dit que tu étais prête à vendre ton âme. Là, voilà. On peut le dire. Exactement. C'est ce que tu as dit. Voilà. Et la nuit où elle a dormi là, donc elle a dormi sur... La nuit qui a suivi. La nuit qui a suivi. La nuit même, quoi. Dans les escaliers, on voit bien le reflet des rampes. Ah ouais, bon, les voilà. Oui. Les voir. Et cette nuit-là, moi, j'ai pas voulu lui dire. J'ai vu justement cette forme de corne, voilà, comme s'il se baissait pour regarder, en gros. Mmh. Donc, moi, je n'ai pas dormi de nuit. Et elle m'a dit après, quand j'en ai parlé, je crois que c'est à tout que j'en avais parlé. Et du coup, elle m'a dit, mais cette nuit-là, je l'avais vue aussi dans les escaliers. J'ai pas. Mais c'est souvent qu'on voit. Par exemple, on voit bien la forme des barreaux, et souvent, moi, j'évite au maximum de regarder dans les escaliers, on voit souvent comme s'il y a quelque chose qui se mettait devant, voilà. Mmh. On ne voit pas forcément une silhouette, on ne voit pas forcément, mais voilà, comme si quelqu'un passe devant, voilà. Or, comme des choses qui tombent aussi, ça, c'est arrivé régulièrement, un pot de crème qui est bien... j'ai un petit meuble en haut, un pot de crème qui se retrouve en bas des escaliers, enfin bon. J'ai une question suite à ça. Alors tu dis que le lendemain, du coup, vous avez pas dormi, vous avez revu la silhouette. Est-ce que vous avez revu la silhouette longtemps après? Est-ce que ça a duré longtemps ou pas? Moi, je l'ai vu que du coup la nuit dans les escaliers et quand je l'ai vu dans le couloir, mais sinon je l'ai pas vu après. Je voulais savoir qu'après ça, quand tu as cette histoire-là d'avoir vendu son âme au diable, est-ce que tu as eu une période qui a suivi où tu avais l'impression que tu te rebellais plus et qu'il ne pouvait rien t'arriver? Je crois pas. Je crois pas. D'accord. Je crois pas. Tu n'as pas eu de changement de comportement suite à ça? Je crois pas. Et en soi, je m'en rends pas compte. Donc, c'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Moi, je m'en rends pas trop compte. Bah, moi, je crois que si, justement. Ah bon? Oui, ou t'as même un caractère assez compliqué. Alors mais j'ai un caractère assez compliqué. Oui, d'accord, mais encore pire que d'habitude, sérieusement. Là, on s'est souvent engueulé, d'ailleurs, encore plus que d'habitude. À me défier, à me provoquer, voilà.
Est-ce que les personnes extérieures qui viennent chez vous ressentent un malaise? C'est dommage qu'elle n'est pas là. J'ai Il y a ma plusieurs copine, personnes. Ma copine qui est venue dormir à la maison il y a peut-être un petit mois. On était en train de regarder un film sur mon ordinateur et la porte de ma chambre s'est ouverte toute seule. Et on s'est regardé, on a regardé la porte. J'ai fait non, mais j'ai du mal à la fermer. On l'a rassuré. Mon filleul. Il est venu, il était dans ma chambre et il jouait au nerf avec mon fils. Ouais. Et à un moment donné, alors j'ai ma chambre, j'ai une salle de douche et puis il y a un rideau, puisqu'il y a entre la salle de douche et la chambre, il y a un petit. C'était en hiver, puisqu'il est venu au mois d'octobre, et c'était un peu dans. Enfin, c'était. Il faisait noir, quoi. Et à un moment, il a senti. Comme quelque chose qui passait à côté, qui a soulevé le rideau, qui a fait tomber quelque chose qui était sur ma chaise, un gilet, alors qu'il y avait deux vêtements dessus, donc il fallait vraiment. Et il dit, donc il a appelé mon fils pour savoir si c'était lui, mon fils était dans sa chambre. D'accord. Et là, il m'a dit, ma reine, c'est dingue ce qui. Et puis lui, c'est pas quelqu'un qui croit qu'elle ait des choses, c'est quelqu'un, oui, voilà, c'est. C'est plus lui un raisonnement scientifique, etc. Et c'est il m'a dit vraiment, j'ai flippé. Il m'a dit, j'ai flippé. Et mon père, qui a dormi souvent dans une des chambres aussi là-haut, qui m'a toujours dit qu'il dormait très très mal. La question qui allait suivre, c'est est-ce que les personnes extérieures ressentent un malaise en venant chez vous? Je viens d'avoir une de tes copines au téléphone qui m'a expliqué qu'elle était venue ici et qu'en repartant, elle aurait été, on va dire, agrippée par une entité, puisque, a priori, elle est retournée dans sa chambre après qu'elle soit venue ici et son verrou de porte de chambre s'est fermé tout seul et sa fenêtre de chambre s'est ouverte. On a fait poser les caméras et tout ce qui était détecteur et matériel par Pascal, qui connaît les lieux. Et nous, après, on va chacun procéder à une immersion, donc les volontaires ici, avec la cam tout seul là-haut, expliquer leur ressenti pour voir si effectivement on ressent la même chose ou pas. Qu'est-ce que vous pensez que l'équipe, donc nous-mêmes, les Whisperers, aujourd'hui, on peut vous apporter? C'est quoi votre souhait premier dans notre intervention? Et des réponses, savoir si on n'est pas fou. Voilà, et des réponses aussi, parce que. Je ne pense pas qu'il y ait que du mal, mais je pense que ce qui représente le mal est certainement plus fort et plus puissant que le reste. Et puis effectivement, parce que pendant très longtemps, même quand on en parlait, on s'est aussi beaucoup moqué de nous, quoi, en disant qu'on était un peu allumé de la cafetière, en gros. Ça, c'est un petit peu le problème. On soulève un sujet important là-dessus parce que la plupart des personnes qui se retrouvent victimes de hantises ou de phénomènes paranormaux se retrouvent bien souvent isolées, pris pour des fous, parce que c'est un sujet qui est controversé. Il y a des personnes qui croient et des personnes qui ne croient pas, qu'on respecte autant que les personnes qui croient. Hein. C'est une communauté. Maintenant, il y a des gens qui sont disponibles pour les personnes qui sont victimes de hantises. Il y a des prêtres, il y a l'église. Y a-t-il déjà eu une intervention d'équipe paranormale chez vous ou de religieux? Alors il y a eu effectivement une amie, cette amie-là est venue chez nous, elle est très croyante, elle est vraiment très, elle fait prière tous les soirs, c'est quelqu'un qui baigne là-dedans et qui avait de l'eau de lourde, et qui est venue balancer de l'eau de lourde chez nous, et qui a dit qu'effectivement elle ne se sentait pas bien là-haut. Mais donc on a cru qu'après ça, ce serait terminé, mais c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes conscient que pendant l'analyse et l'enquête à venir, il peut y avoir du résultat ou non? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Alors, je ne suis pas préparée à me dire que je suis folle, mais oui. Oui, pareil. Mais en soi, je ne pense pas que ce soit neutre, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui disent qu'ils ne se sentent pas bien, donc sinon, on est tous fous. Alors, on ne peut pas employer le terme « fou », tu vois. En fait, si jamais il venait à ne rien se passer, ce serait tout simplement que les manifestations n'ont pas envie de se produire à ce moment-là. C'est quelque chose d'aléatoire. C'est pas quelque chose qu'on fait à la demande. Ça veut dire que si une entité se sent menacée ou a l'impression qu'on a envie d'entamer un rituel de libération, va peut-être montrer qu'elle n'est pas d'accord. Voilà. Oui, ça peut arriver qu'un jour, on n'ait pas de réponse. Donc, je voulais juste avoir votre
votre ressenti là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord, du coup, s'il n'y a pas de résultat satisfaisant, qu'on revienne? Oui. Oui, voilà, on va en chercher. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes prêt à accepter les retours du diagnostic qu'on va faire chez vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à entendre qu'effectivement, il y a une présence démoniaque? Oui. Oui. Est-ce que ça ne va pas vous affecter psychologiquement? Non, parce que c'est ce que je crois déjà, donc voilà. D'accord. Ma façon de vivre déjà, enfin je ne vis plus déjà, donc... D'accord. Voilà. Donc là, c'est vraiment notre aide, notre soutien, voilà, qu'on peut vous apporter. Voilà, j'en ai ras-le-bol, quoi. Ah, donc si jamais nous, ça venait à dégénérer pendant la séquence enquête, où on sera seul chez vous en immersion, on tient à vous dire que si jamais on n'a pas les épaules, ni même le calibre pour pouvoir vous débarrasser de cette entité, on a les contacts que je vous donnerai avec plaisir de personnes qui sont concernées par ce genre de manifestations démoniaques. Hein. Est-ce que vous avez une facilité d'en parler entre vous de ce genre de problème? C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une manifestation, vous arrivez à vous communiquer ou vous évitez pour vous préserver les uns les autres? Ça dépend quoi. Bah, on sélectionne. Mais... Enfin, moi, je sélectionne personnellement. On évite certains noms. D'accord. Voilà, il y a des choses que vous prononcez pas. D'accord. Donc, on va cibler. Ça fait combien de temps que vous vivez ce calvaire exactement? En vrai, les réelles manifestations, elles ne sont pas depuis énormément de temps. Non. Mais réellement... Allez, une petite année et grand maximum. Non. Là, ça fait deux années que ça commence à se regrouper, à être un peu plus récurrent. Oui. Deux ans. Où là, vraiment, on a une panique. Voilà, on a peur, on se sent observé, on se sent... voilà. Quand je voyais mon grand-père, ça ne faisait pas le même effet que maintenant. Donc là, en fait, on est dans une période où il y a une prise de conscience d'une éventuelle présence qui devient gênante. Ouais. Voilà. Là où vous dites c'est pas normal. Oui, là où on dit c'est pas normal. On sent que ça essaie de c'est pas peur, c'est pas fait, bon, voilà. C'est malsain. Est-ce que c'est cette présence se sent chez elle? Ah bah oui. Bon, ça, la réponse, je l'avais déjà. Oui. Est-ce que vous sentez que cette présence veut que vous partiez? Ou est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Mais est-ce qu'elle ne veut pas démontrer au quotidien, ou à chaque fois que ça arrive, qu'elle est chez elle et qu'il faut absolument l'accepter? C'est une tyrannie un peu. C'est un peu comme un régime totalitaire. C'est on vit avec la personne, veut qu'on vive en société, mais c'est elle qui dirige. Donc moi, si je comprends bien, les entités que vous qualifiez de gentilles, qui ne vous gênent pas, mais il y a une, voire plusieurs entités qui sont maléfiques et qui, elles, sont autoritaires. Là, maintenant, je vais passer à des questions symptomatiques. Sur la présence ou la possession démoniaque. Donc, je vais juste vous demander de répondre par un oui ou répondre par non. Catherine, insomnie? Oui. Oui. Migraine? Oui. Oui. Agressivité? Oui. Oui. Isolement? Oui. Oui. Pleurs, dépression? Oui. Oui, alors une foignée. Cauchemar? Oui. Oui. Paralysie du sommeil? Oui. Oui. Tremblement, nervosité? Oui. Pour votre fils qui est jeune, ça va être d'autres types de symptômes. Et comme il est victime de somnambulisme agressif, de la version agressive, je vais vous demander par rapport à lui. Convulsion. Fracture musculaire. Alors, il bouge énormément. Après, j'ai pas... Voilà, Anormalement, on dit bien. Anormalement. Je pense pas. A-t-il déjà crié? Dans la nuit, ou en position de sommeil, somnambulisme, crier, hurler. Très bien. A-t-il déjà vomi? Oui, il vomit tout le temps. Il vomissait tout le temps. Lors de ces crises, est-ce qu'il a... Vous avez eu l'impression qu'il possédait une force qui se décuple? Oui. Qui va au-delà de son gabarit et de son âge? Oui. A-t-il une liaison avec l'au-delà? Ça veut dire, entretient-il un lien particulier avec une entité? Alors, il est très, très attaché à sa sœur, puisqu'il va souvent au cimetière, il veut souvent qu'on aille au cimetière. Enfin, je pense que, voilà, je pense qu'il a envie de la voir. Depuis qu'il est tout petit, il me dit qu'il la voit. Alors, bon, je pense que oui. Il entretient donc une relation, une liaison forte avec une entité. C'est pour ça que je parlerai avec lui. A-t-il déjà fait de la télékinésie? Est-ce que vous avez eu l'impression que les objets, lors de ces crises, cassaient ou se mettaient en route, une porte qui se ferme? Non. A-t-il déjà été violent envers autrui ou envers lui-même? Oui. Et a-t-il déjà eu un contrôle mental sur les autres? Ça veut dire, est-ce que les gens se sont déjà adaptés à son état d'esprit pour éviter que ce soit trop conséquent? Oui. Tout le temps.
Est-ce que vous avez déjà ressenti une odeur de soufre lors de manifestations paranormales ou autre odeur désagréable? Alors, moi, une odeur de renfermé, en fait. Une odeur un peu vieille. Oui, comme si, voilà, comme les vieux meubles de grands-parents, enfin, voilà. Avez-vous déjà aperçu nombre démoniaques visibles? Oui. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que j'ai d'avoir un truc qui passe, enfin de le voir sur le coin de l'œil, et quand je me retourne, il n'y a rien en fait. D'accord. Voilà. Donc, je ne peux pas affirmer à 100% que voilà, il y avait quelque chose. Est-ce que vous avez déjà remarqué le visage de votre petit qui se crispe ou se déforme pendant ces crises? Bah, il a un visage qui est différent d'habitude, oui. Pas au point de se déformer, je pense. Non, pas se déformer, mais... Est-ce que vous avez déjà tenté de mettre une prière sur un téléphone dans la maison? On a des... En présence de vous tous, en c'est fait. Ça veut dire toi, ta fille et ton fils. Des prières, on a une croix qui a été bénie par un prêtre. Moi, dans ma chambre, j'ai deux chapelets accrochés au mur avec des photos de la Vierge Marie. Mais prière, non, je crois. Prière, donc, on n'a jamais mis en route une prière lorsque vous étiez tous réunis. Est-ce qu'il y a des vomissements, des nausées de vous? Oui. Nausées, oui, beaucoup. Nausées, pas vomissements, mais nausées. Sensation de coup de poignard dans le corps. Alors, moi, c'est quand je dors, personnellement. Oui, moi, je m'étais réveillée une fois et j'avais l'impression de m'être pris un coup de poing dans la figure, quoi. Et ça m'a réveillée à cause de ça, d'ailleurs. Moi, coup de poignard dans le cœur, oui, c'est régulièrement. Coups et blessures inexpliquées. Oui. Moi, j'ai des griffures dans le dos et j'ai tout le temps... Bon, après, je sais pas, mais j'ai tout le temps des bleus partout. Décris tes griffures. Tes griffures, tu veux. Je sais pas, elles étaient dans le dos. J'en ai eu sur les seins aussi. Elles étaient comment? C'était une griffure, plusieurs griffures. C'était quoi? Une, c'était comme si on a pris un ongle et fait une sorte de trace, quoi. Mais je peux pas le faire moi-même. Oui. J'ai essayé, hein, mais... Ouais, donc c'est des zones inaccessibles. Ouais. Et c'est arrivé lorsque tu étais seule. Je dormais. Je me suis réveillée le matin, j'avais ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation de ne pas pouvoir prier mentalement? Pas vraiment, alors je n'ose pas en fait. Avant, il disait le soir à notre père, machin, et ça fait bien longtemps qu'il ne veut plus. Comme la croix qui a été bénie par un prêtre, elle lui a été donnée par un antiquaire, qu'il ne connaissait ni David ni d'Adam, il n'a jamais voulu la mettre dans sa chambre. Donc lui, il ne veut pas... Parce que son prétexte, c'est qu'il n'a pas envie que la croix se retourne. Il dit ça? Oui. C'est très important. Hein. Mmh. C'est ce qu'il a dit. La croix, impossible de lui faire mettre dans sa chambre. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il l'a déjà refait, le signe de la croix, à la maison récemment? Non. Non, non, il le fait mal à l'envers. Mmh. C'est-à-dire? Il fait, au lieu de faire « je vous salue, ma vie », il fait comme ça. D'accord. C'est son vœu, en plus d'aller au catéchisme, il veut à tout prix être baptisé, il veut... Quand il y a une église, il faut qu'il rentre dedans. Mais comme toi, tu as toujours été comme ça aussi. Ouais. C'est ça qui est terrible. Bien souvent, les démons ne vont pas à l'église. Donc, est-ce qu'il ne veut pas. Quand il rentre dans une église, alors, est-ce qu'il se sent plus apaisé d'un coup? Est-ce qu'il a besoin de ça? Ou c'est juste parce qu'il veut faire une crise pour rentrer dedans? Il a soulevé un sujet important parce qu'il faut savoir qu'un démon ne rentre pas dans une église. Oui. Hein? Donc ça peut être aussi pour lui une forme de libération. Est-ce que vous avez l'impression d'attirer des personnes à tendance étrange dans la rue ou fou ou... C'est pas marrant. Toute ma vie. Oui. Oui. D'accord. Et on m'a toujours dit d'ailleurs dans ma famille, de toute façon toi tu n'attires que les gens à problème ou... voilà. Et c'est de ma faute, soyez là. Ce n'est pas de votre faute, Catherine. Non. Mais malheureusement, il y a des fatalités qui arrivent dans la vie et tu n'es pas toute seule. Mmh. Et aujourd'hui, il me semble que tu es bien entourée aussi. Et il ne faut pas que tu t'inquiètes. J'ai été aussi victime d'énormément de choses malsaines dans ma vie. Je me suis très mal entourée. Alors, est-ce à cause de ça? Est-ce pas à cause de ça? En tout cas, tu n'es pas la seule. Hein. Tu n'es pas responsable des malheurs qui peuvent t'arriver. Et ça, c'est important qu'on te le dise, je pense. Mot de tête violent, migraine. Oui. Oui. Migraine. Objet qui casse dès que vous rapprochez de Dieu. Ça veut dire que si vous portez un signe d'église, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous tombent sur le nez? Non, à part la chaîne la dernière fois, c'est tout. Qui a cassé? Okay. La chaîne, elle s'est cassée toute seule. Hein. Ah oui. Vraiment, enfin, voilà, je suis allé à la machine à café, enfin, voilà, je me suis agrippé à rien, j'étais assis sur le canapé encore une nuit où je ne dormais pas. Je vais à la machine à café, j'ai les deux mains prises puisque je mets la capsule et je mets ma tasse et la chaîne, voilà, qui est pas
enlevé, vraiment arraché. Et j'ai rien senti, en fait. Je l'ai senti juste glisser sur moi. Mmh. En général, les démons, hein, n'aiment pas les signes religieux. En général, ils ne vont pas casser de manière franche. Ça veut dire que vous ne vous en rendrez pas compte. Elle va casser discrètement et en fait, elle va glisser de manière à ce que vous la perdiez. Et non pas à la détruire, mais que vous la perdiez. Voilà. Pour l'équipe, est-ce que vous êtes conscient que des répercussions qui peuvent être extrêmement violentes, surtout au moment d'une délivrance où le démon va vouloir déployer toute sa haine contre nous. Est-ce que vous êtes consciente qu'on peut avoir affaire à ça le soir où on va pratiquer l'enquête? D'après le témoignage, parce qu'on n'avait pas toutes les infos, on avait un peu d'informations de Catherine, ça risque d'être monté. Je pense que ça va être complètement... Je pense que ça va être dur. Il y aura du boulot. Pascal, ça va. Pour ma part, ça va très bien. Moi, j'en suis conscient. Ouais, je crois qu'il a. De quoi? Oui, t'as le regard frais. Je sais pourquoi. J'ai pleuré, moi. T'as les yeux qui piquent, je suis monté parce que je voulais faire. J'ai filmé un peu avec l'appareil et puis le K2. Et, t'as la même tête que chez Hello quand on a déménagé, que t'as pas pu entrer dans sa chambre. Ah ouais, la vache. Il a pas pu entrer dans la chambre, il est devenu tout blanc, il a pleuré d'un coup. Ah d'accord. Est-ce que tu es conscient du danger si la force démoniaque venait à déployer du coup sa colère vis-à-vis de nous? Évidemment, je suis conscient du danger. Avec toutes les réponses qu'on vient d'avoir, j'ai déjà une petite idée sur ce qu'on va chercher, sur ce qu'on va trouver. Donc, c'est pas chercher parce que c'est déjà ce qu'on a trouvé en rentrant dans la maison. Là, va falloir se protéger un petit peu et faire des choses correctement. Ouais. Tout simplement. On est conscient d'en parler, tout ça. Mais moi, mon but, c'est qu'il ne se passe plus rien après. On sera tranquille, on sera bien, on sera soulagé. Ouais. Pour nous et puis pour eux aussi. Je veux vraiment qu'après, qu'on fasse bien le travail et qu'après, il ne se passe plus rien. Là, je dis, on aura réussi. Est-ce que vous êtes conscient que ça peut être en plusieurs sessions? Oui, bien sûr. Moi, ça m'a trotté l'esprit. Alors, je ne sais pas ce que tu en penseras, Sam, mais à mon avis, si on fait tout en une seule séance, ça serait top. Mais bon, maintenant, après, s'il faut revenir, bon, de toute façon, il est clair qu'on réessayera. On va se préparer pour. On est là pour avoir votre ressenti. Notre ressenti va être important. Quand on va monter là-haut en isolé pour avoir un ressenti. Ça va être important pour chacun. On aura un ressenti différent, peut-être le même pour tout le monde. Il est clair qu'il va falloir qu'on prépare. On a prévu de très bien se préparer pour l'enquête. Contrairement aux enquêtes qu'on a pu faire, où on allait dans un sanatorium, etc., où on y va, on n'a pas de connaissances, on va arriver avec des connaissances. Mmh. Et on aura, le but étant qu'on ait tous les mêmes connaissances pour, si jamais l'entité qui est présente, l'entité maléfique s'attaque à quelqu'un, il faut que les autres puissent prendre le relais. La question est importante, c'est qu'on est conscient qu'on peut être attaqué personnellement. Moi je sais plus ou moins sur quoi je peux être attaqué. On est préparé et on va arriver ici sans sentiment, sans émotion et uniquement pour vous aider. Le reste nous importe peu, ce qu'on veut c'est vous aider. Et on va donner à 100%, s'il faut venir plusieurs fois, on ira plusieurs fois, mais on fera tout notre possible pour vous aider. Et si on n'y arrive pas, chose que vous êtes capable d'entendre, on fera le nécessaire pour vous donner les contacts. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va clore l'interview, on a quand même pas mal d'informations et on te remercie toi et ta fille d'avoir répondu à toutes les questions, même si ça pouvait paraître un petit peu personnel, on est rentré un petit peu dans les détails. On verra après, avant de partir, ce que je peux diffuser et ne pas diffuser, c'est normal, enfin, il y a eu des propos
que peut-être vous n'avez pas envie qu'on sache. Avant de partir, je vais envoyer Pascal en premier en immersion là-haut avec la caméra emportée sur une session 5 minutes. Et tu peux prendre le même mètre avec toi si tu veux. Ouais, je vais le prendre. Voilà. Et c'est sur les escaliers, puis je vais prendre le voilà, de toute façon, le téléphone est en mode avion. J'irai également avec, par contre, je monterai avec la Spirit Box. D'accord. Voilà, je ferai une session Spirit Box. Ça va faire un peu de bruit, il ne faut pas s'inquiéter. Ça balaye les fréquences radio blanches, et du coup, voilà, s'il y a des entités qui veulent nous avertir, qui veulent communiquer, et je pense que. Voilà, s'ils sont présents, ils nous entendent. Ils pourront se manifester dans les machines. Nous, on va rester en bas en attendant les sessions dans le calme le plus complet. Si même vous voulez qu'on sorte dehors, faire un tour ou prendre l'air, ce sera même encore mieux. Et puis, du coup, voilà. Là, je suis chez Catherine, donc en immersion seule. Je vais monter l'étage où, pendant l'interview, on a entendu pas mal de petites choses. Voilà, donc je serai seul avec un K2. On ne verra pas, hélas, mais je vous dirai si tout ça se fluctue. J'aimerais parler aux entités qui sont présentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce que quelqu'un voudrait donner son prénom ? Son nom ? Je ne suis pas là pour vous embêter ni vous faire du mal. Faites un bruit. Tapez sur une porte. Moi, c'est Pascal. J'aimerais avoir un nom avec qui j'ai un dialogue, avec qui je parle. Pas si entendu, un peu dans les escaliers. Voilà, on peut aller dans une chambre, je sais pas si on va voir quelque chose, je vais mettre là pour un reflet. Et on nous envoie bien qu'il y a deux. Est-ce qu'il y a une personne dans cette chambre ? Est-ce que je pourrais avoir un nom ? À qui ai-je honneur ? Je suis pas là pour vous embêter, je suis juste là pour dialoguer et prendre contact avec vous. Vous pouvez toucher cet appareil si vous voulez. Ça ne vous fera pas de mal. On verra juste si vous êtes près de moi.
N'hésitez pas. Faites un bruit dans cette chambre. Vous donnez votre nom. À qui ai-je l'honneur? Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes? En tout cas, je vous remercie. Je vais rejoindre le reste du groupe. Et je vais redescendre. Merci à vous. C'est parti. Immersion dans une des chambres de chez Catherine. Pendant quelques minutes. Je me sens un peu... sans presser un peu. Je sais pas si on me voit bien. Bon, s'il y a quelqu'un dans cette chambre, dans cette pièce et qui voudrait se manifester, s'approcher de moi, vous pouvez. Ça me pose pas de problème. Au contraire, je suis là pour ça. J'ai entendu taper tout à l'heure en haut. Vous pouvez taper, recommencer, me toucher. Vous connaissez Catherine. Catherine me dit qu'il y a beaucoup de mouvements qu'elle n'arrive pas à expliquer. Si vous pouvez refaire ces mouvements, ces bruits, n'hésitez pas, je vous écoute. Vous embêtez cette famille. Embêtez-moi aussi. Approchez-vous. Vous embêtez le garçon aussi qui habite ici. Vous le réveillez. Vous lui parlez de sa sœur. Vous pouvez me dire votre nom? Comment vous vous appelez? Criez-le votre nom. Que je vous entende. Ou que je vous voie. Claquez une porte. Vous pouvez le faire, je le sais. Je suis pas là pour vous faire du mal, vous pouvez venir. Manifestez-vous. Je vous ai entendu quand j'étais en bas.
je vais vous laisser. Un autre membre de l'équipe va monter. J'espère que vous oserez lui parler. À très bientôt, on se revoit bientôt. Au revoir. C'est parti pour une immersion en solitaire à l'étage. Donc c'est un endroit que je ne connais pas du tout. On a écouté Catherine et sa fille. Donc là, je monte. Je ne sais pas trop où je vais. C'est d'avoir un ressenti. Donc je vais aller sur la gauche, la première chambre. Chambre de garçon. C'est certainement la chambre du fils. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous pouvez faire du bruit, venir me toucher? Je vous respecte. Et s'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez vous nommer? Comment vous vous appelez? Je suis en possession du Melmet que je place sous le lit pour voir s'il y a une fluctuation. On sera amené à se revoir, donc je vous souhaite une bonne journée. Je passe sur la seconde chambre qui est juste à côté. Il me semble que c'est une chambre d'adulte. Je fais un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si oui, faites du bruit. Venez éventuellement me toucher. Comment vous appelez-vous? Vous pouvez répondre tranquillement. Le maître ne fluctue pas. Je me concentre sur mon ressenti actuellement. Je suis un peu plus oppressé dans cette chambre. Je ressors. Fermé. Pardon, je vais dans la troisième chambre. Alors, cette chambre, elle voulait fermer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je pense que c'est la chambre de la fille. Plein de médailles, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Faites du bruit, n'hésitez pas. Déplacez quelque chose, tapez quelque part, déplacez-vous. La pièce. Là, c'est la salle de bain.
Une pièce que j'aimerais faire, que j'ai pas fait encore. Ça va faire tomber la caméra. Pièce vide. Enfin, vide. Personne ne doit dormir, je pense. Est-ce que dans cette pièce, il y a quelqu'un? Toujours pas de fluctuation. Mon ressenti est, je dirais, classique. Je suis plus attiré par la porte d'entrée en bas et les toilettes que l'étage. Qu'à suivre, on verra ça. J'hésite vraiment à monter. Mon Dieu. Comment dire? Putain, mais chier de merde. J'entends grincer, je sais pas c'est quoi qui s'ouvre là. Encore 4 minutes à tenir. Merci. Putain. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je suis désolée, mais je vais rester dans le couloir, en fait. Non, je peux pas. Et de la honte de l'équipe. Je suis déjà montée, déjà, jusqu'en désescalier, c'est déjà bien. C'est marrant parce que je sais pas si c'est la maison qui fait ça, mais en haut, on a l'impression d'avoir des bouffées de chaleur. Je peux ouvrir la porte. Je suis désolée, mais je suis pas encore prête. Je suis déjà rentrée dans la chambre, c'est déjà bien déjà. Il y a une deuxième chambre. Cette chambre-là, mais... J'ai envie d'entrer, mais... Moins que je pousse la porte. Il me reste 2 minutes. Il faut que je sois courageux, mais quand même. Chez mon amie Catherine, on fait une première immersion dans les chambres parce qu'il y a eu beaucoup de ressentis, beaucoup de phénomènes. Donc voilà, on essaie tous d'avoir un petit peu notre ressenti. Ça, c'est la chambre de Catherine qui ne dort plus dedans parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent aussi. Donc là, je sens que je commence à pas être trop bien. Voilà, donc ça, c'est son petit coin douche.
aussi un petit miroir ovale que je ne peux pas voir du tout. Je ne me sens pas bien du tout quand je le vois. Moi, c'est Delphine. Vous pouvez me dire votre prénom ? Excusez-moi, le chat est monté, il m'a fait peur. Oh, punaise. Alors on est très très oppressé dans sa chambre. Je suis désolée, le chat m'a fait extrêmement peur. Attendez, j'ouvre la porte. Toc. Je me suis fait peur. C'est mon reflet, c'est pas grave. Je sens que ça va pas. Je vais quand même essayer de faire mes 5 minutes. Tu sors le chat ? Allez, viens. Ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui ronronne. Je vais retourner. Attendez, je crois qu'il y a une autre chambre là-bas, mais je ne peux pas rentrer parce qu'il y a la petite caméra. Donc c'est la chambre d'amis où son fils a vu quelqu'un sous son lit. Donc j'essaie de retourner un petit peu dans la chambre à Catherine. Voir si on arrive à entendre quelque chose, à part le chat. Une manifestation. Je sens que ça. Je sens que ça va pas. Je me sens surveillée. Je suis pas très bien. Mais bon, j'ai promis à l'équipe de tenir mes 5 minutes, je vais le faire. Donc là, il y a son entrée. Son entrée, c'est pareil. C'est un petit peu oppressant. On se sent très très oppressé. On a l'impression qu'on va, je sais pas, qu'on va s'évanouir. Je suis pas tranquille, je suis pas très très bien. Et bon, ça va aller. Et je vais passer la caméra à ma copine afin qu'elle puisse prendre le relais. C'est mon tour. Elle monte. Faites du bruit là où vous voulez que je vienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Faites du bruit. Une voix.
dans la fenêtre et tout est fermé, pardon. Je vous montre. Je pense qu'on va bien l'entendre. Parlez-moi. Parlez fort. Encore. 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 Tapez un coup dans les portes. Vous savez qu'on va revenir. Je vais redescendre les escaliers. Je vais rejoindre les autres. On va arrêter là pour aujourd'hui, pour l'interview, pour les petites immersions. Voilà, on voulait prendre un petit peu la température de chacun, le ressenti de chacun dans l'étage. Effectivement, il y a une petite surcharge d'énergie, on sent un petit peu oppressé, le cœur bat très fort. Est-ce que c'est parce qu'on sait aussi à quoi on a affaire? Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension peut-être? On vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Ah, moi, c'est Dodie, d'accord? Tu sais pourquoi on est là ou pas? Maman t'a un peu expliqué? Non, t'as pas expliqué? Bon, maman m'a un peu raconté qu'il se passait un peu des choses ici qui faisaient peur. Et du coup, je voulais voir avec toi si toi, t'as des choses à me dire par rapport à ça. S'il y a des choses qui te font peur ici. Tu peux me dire, t'inquiète pas, je ne jugerai pas et puis je te prendrai pas pour un fou. Ça je le sais, sinon on serait pas là, d'accord? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur en particulier? Bah, quand j'entends des gens parler. T'entends des gens parler? C'est la nuit que t'entends des gens parler? Et t'entends plusieurs personnes parler? Ouais. Des messieurs, des dames? Des messieurs. Plus des messieurs? Et est-ce que tu comprends ce qu'ils disent quand ils parlent? Non. Non, tu comprends pas? Tu sais qu'ils ont une conversation ensemble, c'est ça? Ouais. Ils parlent entre eux? Ça parle longtemps? 5 minutes. Plus. 5 minutes, pas plus. Et ça, c'est souvent, la nuit. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà vu, avec tes yeux, la nuit quand tu te réveilles, est-ce que tu as déjà vu des personnes présentes autour de toi? Non. Non. Et est-ce que tu... Parce que maman m'a parlé que il y avait une petite fille pendant un moment qui te parlait. Ouais. Qui disait qu'elle était ta petite sœur. Donc c'est elle qui a dit qu'elle était ta petite sœur? Ouais. Ça fait combien de temps de ça? Je sais pas. Tu sais plus? T'arrives plus à situer, c'était il y a longtemps? Ouais. Est-ce que tu l'as déjà vue, cette petite fille? Je voyais des trucs blancs passer sous ma porte. Ouais. Comme ça. Ouais. Et ben voilà. Elle t'a déjà parlé? Elle m'a déjà dit bonjour. Elle t'a déjà dit bonjour? La nuit? Quand tout le monde était endormi et que toi t'étais dans ta chambre? Et est-ce qu'elle t'a déjà dit d'autres choses que non. Peut-être t'avais pas envie de dire à un moment pour pas lui faire peur ou... Non. Non? Elle t'a jamais rien dit d'autre chose? Et maman m'a dit que t'avais des jouets aussi qui se déplaçaient dans ta chambre? Bah, un jour quand il y avait mon lit ici, j'ai entendu une voiture tomber par terre et il y avait aucune voiture tombée par terre. D'accord. Ça a écrit sur mon tableau tout seul. Ah bon? Et ça, tu te souviens? T'avais entendu que ça écrivait sur ton tableau? Et ça, tu te souviens? T'avais entendu que ça écrivait sur ton tableau? Et ça, tu te souviens? T'avais entendu que ça écrivait sur ton tableau ou tu t'en es aperçu quand tu t'es réveillé le matin? J'étais toujours pas en train de dormir et j'ai vu que ça écrit sur le tableau. Ah, toi, tu as vu que ça écrivait? Mmh. D'accord.
Ah, toi, tu as vu que ça écrivait ? D'accord. Tu as vu que ça écrivait ? D'accord. Et ça écrit avec quoi ? Une craie ou un crayon ? Un crayon, mais j'ai rien vu au lit. Ou... Ah, il n'y avait pas le crayon qui était, qui était en suspens. Et ça écrivait tout seul, au marqueur. Et ça écrit ton prénom, du coup ? Bah non, ça a juste écrit comme ça, des petits zigzags. Ah d'accord, ça faisait des mouvements comme si ça jouait avec le tableau, finalement. Ouais. Et du coup, tu penses que c'est cette petite fille ou pas ? Je pense. Ouais. Toi, tu l'as jamais vue dans le coin de ta chambre ? Non. Non ? Tu sais pas à quoi elle ressemble ? Elle t'a jamais dit de faire ou de dire des choses qui sont pas bien ? Non. Non ? Maman m'a dit aussi que tu faisais des petites crises de somnambulisme, que tu te rappelles plus ? Non. Ouais. Et du coup, t'as aucun souvenir quand tu te réveilles de ça ? Non. Non ? Toi, t'es plutôt quelqu'un de gentil ? Ouais. T'as un bon rapport avec les gens ? Enfin, je veux dire, tu t'entends bien avec tout le monde ? Ouais. Du coup. Et ça commence à te faire peur, tout ça ? Donc, tu sais que moi et mon équipe, on va venir à ta maison, du coup, pour pouvoir chasser tout ça, pour pouvoir faire le tri un petit peu, et que tu puisses redormir tranquillement et que tout aille mieux. Tu comprends ça ? Et puis, du coup, maman m'a dit que du coup, t'avais tellement peur que tu voulais aller vivre chez papa. Chez papa, il n'y a pas tout ça, c'est calme. Pas vivre totalement, mais le temps que ça se calme. Oui, pour te reposer un petit peu. Ouais. Tu vas au catéchisme, maman m'a dit ? Ouais. Je fais du caté dans mon école. Et ça te plaît ? Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, ça te plaît toujours ? Ouais. Tu sais que tu peux prier quand c'est comme ça ? Pour te soulager un petit peu le soir ? Tu connais quelques prières, du coup ? Sainte Marie, tout ça. La prière de Sainte Marie qui va te protéger la nuit aussi. Ça, c'est important. Tu pries, tu penses fort à Sainte Marie, Mère de Dieu, et elle te protège. Parce qu'elle protège les enfants. Et elle intervient tout de suite. Après, moi, tu vois, je suis là avec mon équipe parce que quand j'étais petite, comme toi, moi aussi, j'ai vu des phénomènes comme ça que j'arrivais pas à expliquer, qui me faisaient très, 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 très peur. Et aujourd'hui, bah, on travaille, nous, avec l'équipe, pour avoir des preuves de ça, pour que les gens n'ont plus l'impression d'être fous et qu'on puisse peut-être aussi les aider. Parce qu'on connaît beaucoup, beaucoup de choses et on sait comment parler à ces choses, peut-être qui te font peur, pour leur dire de te laisser tranquille ou de laisser tranquille ta famille. Donc, on va essayer de faire ça, d'accord ? Est-ce que tu as d'autres souvenirs comme ça qui t'ont fait peur ? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose sous ton lit qui t'a fait peur ? Maman m'avait dit, non ? Non, c'est juste que j'ai toujours peur de regarder sous mon lit le soir. T'as peur de regarder sous ton lit ? Ça, c'est normal. Ça, c'est normal, c'est tous les enfants. Moi aussi, à ton âge, j'ai peur de regarder sous mon lit. Mais il n'y a rien sous ton lit, d'accord ? Faut pas que tu t'inquiètes. Et du coup, t'as entendu des bruits cette nuit ? T'es descendue, maman m'a dit ? T'as eu peur ? C'était quel type de bruit ? C'était ce matin, j'ai entendu un truc tomber par terre. Il n'y avait rien tombé par terre. Ah, t'entendais juste le bruit, mais il n'y avait pas du tout de choses qui étaient tombées. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, nous, on va faire en sorte de savoir un petit peu ce qui se passe dans ta maison. Bientôt, on va venir avec l'équipe. On va mettre du matériel et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on va faire le nécessaire pour pas que ça vous embête. Pour que toi, tu puisses te sentir bien dans ta maison et maman aussi. D'accord ? C'est tout ce que tu avais à me dire ? Il n'y a pas d'autres souvenirs qui te reviennent ? T'es content qu'on soit là, qu'on va aider maman et qu'on va t'aider toi et ta sœur. D'accord, en tout cas, on fera tout notre possible. C'est pas un jeu. Et généralement, on fait ça pour rigoler, parce que c'est marrant, parce qu'on veut se faire peur. Et c'est pas parce qu'il se passe pas des choses sur le moment qu'il ne s'en passera pas après. C'est vraiment dangereux. Et généralement, les gens qui font ce genre de choses,
ils ne sont pas expérimentés. Ça peut vraiment vous impacter dans la vie de tous les jours. Et moi et ma famille, on vit ça à cause de certaines bêtises que j'ai faites étant plus jeune. Il faut savoir que je regrette énormément, mais malheureusement c'est fait. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est que le Ouija n'est pas un jeu. Et si vous pouvez vous passer de le faire, ne le faites pas.